Bienvenue à l'enregistrement du culte prévu pour la fête de la Toussaint. Les saints ont vaincu l'accusateur grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Je chanterai toujours la, les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître. Ta fidélité de génération en génération. Le ciel célèbre tes merveilles éternelles. Ta fidélité dans l'Assemblée des Saints. Heureux le peuple qui sait t'acclamer. Il marche à ta lumière éternelle. Il se réjouit sans cesse à cause de ton nom et tire gloire de ta justice. Car c'est toi qui fais sa beauté et sa puissance. Et c'est ta faveur qui relève notre force. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à mieux connaître ta sainte volonté, et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus Christ, Ton Fils, notre Sauveur, Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu tout-puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En Son nom, Il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus Christ, Il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne Son Saint Esprit. Que Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui a rassemblé tous les élus dans la communion fraternelle du corps mystique de ton Fils, notre Sauveur. Fais-nous la grâce d'imiter tes bienheureux saints dans leur vie de foi et de piété, pour que nous puissions parvenir avec eux aux joies éternelles que tu as préparées pour ceux qui t'aiment d'un amour inaltérable par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture vient de l'Apocalypse chapitre 7, les versets 9 à 17. Après cela, j'ai regardé et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches. Des feuilles de palmier à la main. Et ils criaient d'une voix forte Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des quatre êtres vivants, se prosternèrent le visage contre terre devant le trône. Et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. L'un des anciens prit la parole et me dit Ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus Je lui répondis Monseigneur, tu le sais. Il me dit alors, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus ni aucune chaleur brûlante en effet l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie et dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux ici prend fin la première lecture l'épître vient de la première lettre de jean le chapitre 3 Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ici prend fin la deuxième lecture. L'évangile pour la fête de la Toussaint vient de l'évangile selon Matthieu, le chapitre 5. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, Son Fils unique, Notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Jésus, sanctifie-nous par ta vérité, la parole et la vérité. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qu'un héros? Selon le Larousse, c'est une personne qui se distingue par sa bravoure et ses mérites exceptionnels. En ce qui concerne les saints, ce sont des héros de la foi. Ils servent d'exemple d'amour, de fidélité, de courage, d'humilité, de générosité, d'une bonne manière de vivre mais surtout d'une foi vivante que nous voulons imiter. Pour contempler les héros de la foi, le onzième chapitre de la lettre aux Hébreux est un bon point de départ. Il commence ainsi. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette introduction est est suivi d'une liste de saints de l'Ancien Testament et de ce qu'ils ont réalisé par la foi. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est à cause de sa foi qu'Énoch a été enlevé pour échapper à la mort. C'est par la foi que Noé avertit des événements. Que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. Et la liste continue. L'Église a reconnu les saints à travers son histoire, les saints de la Bible et d'autres encore depuis ce temps. Il y a les saints évangélistes qui ont écrit les événements de la vie de Jésus. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il y a des apôtres bien connus comme Pierre et Paul. D'autres sont moins connus, des gens comme Thaddée et Jacques fils d'Alphée. Il y a eu des martyrs, le premier desquels était Étienne. À travers les siècles, l'Église a reconnu des exemples de fidélité. Des pasteurs qui ont enseigné avec clarté et ont défendu la foi. Clément de Rome, Polycarpe de Smyrne, Irénée de Lyon, Ambroise, Augustin, Grégoire de Nazien, Grégoire de Nice. Certains saints sont reconnus pour une contribution particulière. Jérôme a traduit la Bible en latin. Euseb, et le premier historien de l'église. Sainte Hélène a identifié des sites historiques de la vie de Jésus. Sainte Élisabeth, quand elle est devenue veuve, a fait construire un hôpital avec sa dot. Si tu ignores l'histoire des saints, je t'encourage à étudier l'histoire de l'église et les écrits des saints. Pour nous, en tant que chrétien, c'est d'un grand intérêt d'imiter les saints. En particulier, nous devons prendre en considération l'exemple de ceux qui vivaient les mêmes situations que nous. La Sainte Famille nous sert d'exemple de la vie familiale. Paul nous sert d'exemple comme ouvrier en tant que fabricant des tentes. Marie est l'exemple de quelqu'un qui voulait apprendre du Seigneur et sa sœur Marthe, lui d'une personne qui rendait service aux autres. Saint Laurent nous enseigne que le trésor de l'Église, ce sont les pauvres. Les martyrs nous montrent que nous devons rester fidèles face à ceux qui veulent nous mettre à mort et nous confier à notre Seigneur Jésus. En ce qui concerne l'imitation des saints, nous ne nous limitons pas à ceux dont nous lisons des extraits de leur vie. L'Église ne se limite pas à des personnes lointaines, mais elle veut aussi reconnaître des personnes qui sont de chez nous, même des gens que l'on connaissait ou est ou qu'on connaît. Sur ce point, notre Église rejette la manière dont l'Église catholique identifie les saints. Ce n'est pas nécessaire que l'on fasse des miracles après sa mort pour être identifié comme étant un saint. Nous rejetons l'idée que les saints ont réalisé tellement de bonnes œuvres que l'Église peut créditer ou transférer le mérite à d'autres. Nous refutons aussi l'idée que l'on puisse invoquer et demander que les saints intercèdent pour nous. Nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Ne mettons pas notre confiance dans les superstitions telles que le, porte, tel, tel que le port d'une médaille de, de, de Saint-Christophe qui est censé protéger les voyageurs. Écartons ces erreurs. Toute personne qui croit en Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés est sainte et est une sainte par la foi en lui. Ainsi, nous devons imiter les saints et bénéficier de leur savoir-faire, tant les saints d'autrefois que les saints d'aujourd'hui. Si je peux faire une comparaison avec le sport, les meilleurs joueurs d'une équipe peuvent pousser les autres à élever leur niveau. Les meilleurs et les plus expérimentés viennent à côté des autres, les poussent à mieux faire. Les aident, les encouragent, les enseignent. Les plus faibles observent, apprennent, s'améliorent. Considérons quel est le bilan de la vie des saints et imitons leur foi. Voyons ce qu'ils font de bien et disons J'aspire à devenir comme celui-là. Je pense à des gens que j'ai connus au cours de ma vie, des enseignants de l'école du dimanche, des parents de mes amis, des membres de ma famille. J'admire les bénévoles qui font beaucoup pour l'Église. Je vois la dévotion et le zèle de paroissiens qui méditent la parole et prient avec ferveur. Je vois dans la paroisse, des gens qui sont saints en Christ, qui ont des qualités et des compétences extraordinaires. Vous, vous m'encouragez dans la foi. Vous êtes des héros de la foi, et pour moi, et pour l'Assemblée, et pour ce monde. Je t'encourage donc à te comporter comme un héros. Combien d'enfants admirent leurs parents ou leurs grands-parents Prends au sérieux ta responsabilité. Paul écrit à titre, Les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer le mari et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures. Mais ce n'est pas seulement des personnes âgées qui servent d'exemple. Paul continue. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis en étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres. Et ensuite, Paul dit pourquoi nous nous comportons de cette manière. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à sa sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui même pour nous, afin de nous racheter de toute faute, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Cela dit, nous devons également éviter l'hypocrisie. Le mot l'hypocrite vient de l'habitude qu'avaient les acteurs de l'Antiquité de porter un masque et de se déguiser leur vraie, leur vraie identité un aspect important de la sainteté c'est le fait que tu admettes que tu es que tu es pécheur que tu confesses que tu n'as pas toujours renoncé à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde que tu n'as pas suivi la sagesse la justice et la piété et que tu n'es pas, pas saint par toi-même, mais que ta sainteté vient de notre Dieu saint, qui te pardonne, qui te déclare saint, et qui te sanctifie par l'œuvre du Saint-Esprit. Ainsi, on imite pas seulement la bonne manière de vivre, mais aussi la confession de ton péché, la repentance et la confiance dans le fait que Jésus te pardonne. Ce n'est pas qu'on veuille te louer, mais plutôt de glorifier celui qui produit en toi le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Certaines églises modernes agissent comme si l'Église de nos jours était, le premier, était la première génération de chrétiens depuis l'ère de Christ. Certains luthériens sont coupables de la même erreur, comme si l'Église avait été complètement perdue et a seulement été revivifiée à l'ère de la Réformation. C'est du nombrilisme de dédaigner nos ancêtres dans la foi et de repousser l'héritage qu'ils nous ont laissé la liturgie, les cantiques, leur enseignement et leur fidélité quand elle était menacée. Les saints ont vécu par la foi. Lis les confessions de notre Église, tu verras une abondance de citations des pères de l'Église. Pourquoi? Parce que la réformation luthérienne était une réformation conservatrice. Elle gardait ce que l'Église avait toujours cru et elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour démontrer qu'elle ne s'éloignait pas de ce que l'Église avait toujours enseigné. Elle voulait renverser les erreurs et les innovations que l'Église avait introduites. Quel gaspillage si nous ne bénéficions pas des siècles de témoins fidèles. Ces derniers temps, il y a un mouvement tendons à renverser les statues des héros et des saints la difficulté c'est que personne n'est parfait sauf notre seigneur jésus pour nous quand nous considérons les saints nous admettons qu'ils ne sont pas parfaits mais nous nous réjouissons de la grâce de dieu qui couvre tous leurs péchés, de la même manière qu'ils couvrent nos péchés. Louons le Seigneur pour ce qu'il a accompli à travers eux. Imitons leur foi et leur amour et rendons grâce à Dieu pour leur témoignage fidèle, ce qu'ils ont accompli par la foi. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu saint, nous te rendons grâce pour les saints qui ont servi de témoins fidèles à travers les siècles et le récit de ce que tu as accompli au cours de leur vie. Sanctifie-nous. Pour que nos vies servent d'exemple de foi et d'un amour chrétien fervent, pour que d'autres te glorifient. De la même manière qu'Élisée a continué le travail d'Élie, que les jeunes de l'Église bénéficient de l'exemple d'autres chrétiens et continuent le travail. Donne à chacun de nous le désir de venir à côté de nos frères et sœurs en Christ pour marcher avec eux et pour les aider et les encourager. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu saint, ce jour de la Toussaint, sois avec ceux qui sont dans le deuil, parce qu'il y a une séparation entre nous qui vivons sur la terre. Et les saints qui sont déjà devant toi. Augmente en nous de nous réjouir à l'avance pour la joyeuse réunion avec nos bien-aimés, où nous te louerons dans ton royaume qui n'aura pas de fin. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô oh Dieu, la source de la vie, tu donnes tu soutiens et tu prends la vie. Sois avec les personnes malades qui ont besoin de ton soutien, en particulier ceux qui sont atteints récemment de la COVID. Donne-nous de la sagesse d'obéir au nouveaux protocole, sachant que les experts et ceux qui sont en autorité l'ont jugé nécessaire. Que notre comportement Limite la transmission afin que le personnel des hôpitaux puisse faire de son mieux pour les personnes qui sont déjà gravement malades et reste disponible pour soigner d'autres maladies. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu vivant, protège-nous de ceux qui veulent nous faire du mal qui veulent défendre leur idole, qui menacent et harcèlent ceux qui ne soutiennent pas leurs erreurs. Protège nos enseignants de ceux qui veulent leur faire du mal. Défends les industries de notre pays, de ceux qui boycottent ses produits. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô roi des rois, sois avec ceux qui sont en position d'autorité, qui agissent pour notre bien-être, tout en défendant nos libertés. Protège notre pays, le président Macron, le premier ministre Castex, et tous ceux qui créent et font respecter les lois. Seigneur, dans ta miséricorde, Écoute notre prière. Veille surtout ceux pour qui nous prions selon ta miséricorde, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen.